On est très très fan dans le GULive. Il y a déjà pas mal de questions sur le chat live. On va prendre 2-3 questions, après on va te faire un petit prank parce que tu as ton avion à prendre. Hydrax15 qui nous dit quand sortira ton album et vas-tu faire des petits concerts, une petite tournée, notamment à Lyon, Grenoble, etc. Alors, mon album il va sortir en automne. D'accord. Pas encore la date exacte. Et, il est prêt là ? Pas encore ? Non, encore quelques petits. T'enregistres encore ? Voilà. D'accord. Et sinon, pour les concerts, j'ai pas encore une tournée, mais je vais faire les barques en scène à Narbonne, du coup, jeudi. C'est en direct, là, tu peux dire ? Oui, demain. Et voilà, je vais faire le concert de rentrée à Castres, là où D'accord. je suis née. Et puis s'il y a, d'autres dates, ce sera sur tes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Exactement, etc. Exactement, je vous annoncerai tout. Quel est le chanteur ou la chanteuse avec laquelle tu rêves de faire un duo ? C'est I'm Acrobic Sisters qui nous demande ça. Franchement, je dirais... Mais il y en a beaucoup, hein. Par exemple, j'aimerais bien faire un duo avec Adèle, avec Sia, avec Vianney, j'aimerais bien faire ouais. un duo. Ah bah tu pourrais, parce que c'est Joy Jonathan qui a écrit, sa meilleure copine qui a écrit ton single. Et Stromae. D'accord. Voilà. Est-ce que tu aimes, alors c'est Nilu Esteban Q, j'espère que je prononce bien, qui nous demande, est-ce que tu aimes les Kids United ? Ah, j'aime beaucoup, surtout que j'ai eu la chance de les rencontrer. Ah, ils sont cool, hein. Ils sont super gentils, franchement, ils sont super adorables. Ok, est-ce que tu es amoureuse ? Allez, on y va, on balance là. Je suis pas amoureuse, ils veulent tous savoir si tu es non, si je ne suis pas du un chéri, amoureuse. En couple, quelqu'un. Non, pas du tout. Ta plus belle histoire d'amour ? Bah, elle a 13 ans, Johan. Bon. Okay. Ta pire honte ? Ma pire honte, je sais Enzo, plus. Enzo, tais-toi. Ta pire bêtise. Ma pire bêtise, j'ai déjà dit. Vas-y, balance. Alors, en fait, j'étais à l'ordinateur et j'avais mon verre d'eau à côté du clavier. Et sur la fois, j'ai fait tomber le verre d'eau. Sauf que, ce que j'ai oublié de dire dans l'émission, c'est que je ne l'ai jamais dit à mon père. Du coup, il vient de le découvrir, là, que j'avais pété son clavier. Il est là, il est juste derrière. Voilà. En fait, elle lui avait pas dit. En fait, il est là. Vas-y, viens juste nous voir. Mais viens avec nous. Écoute, ici, c'est plus on est de fous, plus on rit. Viens donc. La famille. Bon, alors. Juste un petit coucou ici, là. Salut. Hey, ta fille, on est fan. Ouais, ouais. Comment ça se fait qu'elle ait cette voix ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ? T'as la même voix ? Pas du tout. C'est vrai ? Ah, lui carrément. Un duo tous les deux ? Lui carrément, il chante pas. Attends, il ne chante pas. Pourquoi cette voix ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La maman. La maman. Ok, c'est la maman.